Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlabos pour l'épisode 111 de Rebirth. Dans l'épisode précédent, on a joué avec Azazel et c'était vachement génial. On a enfin réussi à trouver l'objet Steven. Au final, c'était au bout de trois fights avec Steven, donc on a quand même eu de la chance, même si on n'arrivait pas à le trouver. Enfin voilà. On a même trouvé Rolliver, deux fois d'ailleurs dans l'épisode 110, qui était complètement abusé. Et on a même débloqué la Blue Candle. Donc, épisode vachement cool. En plus, on est tombé sur Tiny Planet, avec Azazel, et ensuite sur Secret Heart. Donc on avait une sorte de mini homing brimstone, qui était vachement cool. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire une breaking run avec Isaac, mais d'abord, on va débloquer la stopwatch, vu qu'il nous reste plus tant de pièces que ça à filer. Donc ça devrait pas être très long. Pourquoi je reset? Je sais pas. Bon, on trouvait le shop, maintenant il nous faut des thunes. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû jouer avec Isaac tout de suite. C'était un peu con. Mais bon, on a quelques pièces, voyons si ça marche. C'est vrai qu'Isaac a une bombe, donc on peut accéder à la secret room dès le départ. Donc oui, sinon, j'ai regardé la liste des objets qu'il nous manque. Donc il nous en manque 8, il me semble. Donc un des objets qu'il nous faut encore trouver dans la secret room, c'est Missing No, qu'on n'a pas encore eu du coup. Ouais, à moins d'arriver à faire du breaking dans la secret room, ça risque d'être le dernier objet qu'on doit trouver. Enfin, on verra bien. En tout cas, je ne sais pas où est la secret room, ça c'est pas cool. Je verrai bien ici. Nice. Golden Poop, ok, parfait. Ouh, nickel. Nickel, nickel. Et là, si on trouve le sharp plug, je serais un peu dégoûté, mais non, ça va. Oh, on a la Blue Candle. Bon, j'ai pas le choix, hein. Il faut que j'apprenne. C'est un peu con du coup, mais bon. Juste utiliser vite fait, vu qu'on l'a jamais vraiment utilisé. Bon, on l'a jamais eu dans Rebirth, quoi, donc bon. On va tuer le boss avec, et ensuite on va reset, hein. Hunt, bon, on va d'abord tuer le petit hunt à la con, bah quoique. Ah merde! Là, j'avais oublié que le boss lui aussi nous faisait des dégâts lorsqu'il est transparent. Enfin, ça paraît court en fait, mais bon. Là, ça va pas tant de damage que ça, je pense que pour les boss c'est plus pratique. What? C'est si nul que ça? Pas normal. Ah d'accord, oui, faut l'utiliser de cette façon. Ouais. Il y a mieux quand même, hein. Il y a bien mieux. Bon. Bah du coup, ça nous fait plus que cet objet à trouver. Ouais, je sais pas pourquoi je continue en fait. Donc ouais, en plus si ça se trouve, qui sait, on cherchait dans la secret room, on trouvera peut-être Missing No. Bon, ça m'étonnerait, mais qui sait, hein. Plein de bombes. La secret room pourrait être là. Elle est là. Donc ouais, en tout cas, la run précédente était vraiment magnifique, hein. Le homing brimstone, c'est toujours cool. Enfin, surtout quand c'est un brimstone d'Azazel et que c'est... Du coup, c'est un petit truc qui va dans tous les sens. Enfin, c'était bien sympa. Pas de pièces, c'est pas génial. Dis-moi un quarter, toi. Non, c'est tout. C'est pas ça. Toujours pas de clé.
Ouais, c'est peut-être mieux de jouer avec Azazel pour faire ça, mais bon. On a fait suffisamment d'Azazel ces derniers temps. Et bon, ça devrait pas prendre trop de temps, je pense. How to jump, j'ai que je ne sais jamais utiliser. Donc on essaye de jouer avec un de ces jours. Bon, tu sais quoi? J'ai pas de clé, donc je reroll. Je reset. Je confonds toujours les deux, c'est marrant. Bon. C'est vrai que c'est peut-être plus pratique de jouer avec Azazel en fait pour ça. Le Bidus. Le D. Ah, nickel, Quarter, bah, super. Super, super. Bon, et maintenant, mais la Donation Machine va sans doute s'arrêter au bout de deux pièces, hein, juste pour me troller. Je le vois bien venir, ça. Bon. Ah, pour l'instant, ça se passe bien. Nice, on progresse bien, c'est cool. Et ben, super, magnifique, magnifique. Flaming Tears plus deux pièces dès le départ, hein. Cool, 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 cool. Et la Cyclap Room devrait être de ce côté. Oula, toujours faire gaffe à ces explosions. C'est pas ce que je voulais. Bon. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Ouais, bon, bref. Il nous faudrait plus de pièces que ça, quand même. Ah, putain. Et ça, on s'en fiche un peu. Allez, on y est presque. Plus que 20 cents, je crois, et ensuite ce sera bon. Ah, c'est même pas ce que je fous. Je vais sans doute essayer d'utiliser Mr. Boom pour casser ce type. Mais ça sert à rien, donc bon. Bref, on va reset. Mulligan. Putain, ce serait sympa de faire notre run avec ça. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on puisse trouver suffisamment de thunes et tout dépenser tout de suite. Bah, qui sait, on sait jamais. On ne sait jamais. Ok, donc la Secret Room ne peut pas être là vu qu'il y a le boss et qu'elle n'est jamais à côté du boss. C'est très bon à savoir ça. Du coup, j'imagine qu'elle est soit ici, soit entre la Secret Room et la... truc là. Et donc, ce sera sans doute ça. Ah bah non, même pas, ok. Trollolol. Bon. Bah, du coup, je vais donner mes 3 cents, hein, tant pis. Et on va reset, bien sûr. Un crack the sky, c'est bien pourri comme objet. Game kill, c'est pas ouf non plus. Pas trop pourquoi j'entre ici, mais bon. C'est pas ce qu'on doit faire tout de suite. Ah, sympa ça. Limite, j'aimerais bien me faire toucher juste pour avoir des pièces. Bon, par contre, je risque de crever là, donc c'est un peu con. Peut-être éviter de s'auto-tuer. Il est maintenant 22h30. Merci, Canadien. D'ailleurs, touche-moi. Ah, tiens, on peut pas. Ils ne peuvent pas nous faire de dégâts, eux, c'est bon à savoir. Bon, on va éviter de mourir là. On n'a pas de pièces, donc. Qu'est-ce que je raconte, on n'a pas de clé. On n'a pas de clé.
Donc faut quand même faire gaffe. Pas du tout, peut-être à la Secret Room pour l'instant. Pourquoi j'utilise mes bombes? Parce que voilà. Ouais, pour la Secret Room ça va être chaud. Surtout qu'on n'a pas de clé en fait. Bon, espérons qu'elle soit ici. Ah bah c'est con, si on avait une bombe. Ah bah ça va. De toute façon, il nous file une clé, donc c'est parfait. Ah, on y est presque, on y est presque, on y est presque. On y est presque. Limite, si je me fais toucher. Bon, c'est con, je viens d'utiliser la flamme. Et donc plus que 5 cents. Et cette partie je l'aime pas trop, donc voilà. Bon, je suppose que durant cette partie on va y arriver, donc essayons de jouer sérieusement maintenant. Bon, sinon pour ceux qui ne l'auront pas encore remarqué, oui, j'ai changé de lunettes. Hein. À mon avis, ça se voit quand même. Bon, malheureusement, on voit toujours les reflets de l'écran dedans. J'espérais que ce ne soit pas le cas, vu que j'ai un double reflet dessus, mais bon. Enfin, double anti-reflet, plutôt. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Au pire, j'ai aussi des lentilles, mais pour le PC, c'est peut-être pas top. On verra bien. Télépise, ouais. Ça sert absolument à rien dans ce cas-là. Enfin bref. Par contre, je ne sais pas si on peut avoir la stopwatch dans cet épisode, en fait. Si je débloque un objet tout de suite, je ne pense pas... Oh putain. Je ne pense pas pouvoir l'avoir dans une run suivante. On peut sans doute tester, hein. Mais bon. Pas que quad shot, bon. Dire si la stopwatch est notre dernier objet, c'est pas si grave. Mais bon, c'est vrai que quad shot, c'est toujours sympa. Donc bon. Ah bon, se faire toucher là, c'était vraiment con, mais bon, c'est pas grave. Bon, famille, on l'explose. Il devrait nous donner un cœur d'argent en plus, donc c'est génial. Et il aura même notre cœur rouge. Tant mieux, hein. Bon, la Secret Room devrait être là. Des pièces et évidemment il ne me file pas de clé ce con. Mais on devrait en avoir une pour le niveau suivant, donc c'est parfait. Donc à moins que la donation machine ne nous troll à fond, ça devrait le faire. Bon, n'oublions pas qu'on veut faire du breaking, hein, donc bon. Si on arrive dans Basement, non pas Basement, qu'est-ce que je raconte? Si on arrive dans Devs 2 ou Necropolis 2 et qu'on n'a toujours pas de moyen de faire du breaking, bah, je suppose qu'on va reset. Au moins d'avoir une super run. Et bien sûr, n'oublions pas, il faut essayer d'avoir les Angel Rooms pour trouver les objets qui nous manquent. Donc au final, bon, c'est peut-être pas si important que ça que de reset. Si on arrive à avoir la Godhead, ce serait bien cool. Et donc pour ça, vu qu'on a le D6, il faudrait attaquer l'ange... Bah, l'ange dans l'Angel Room, quoi. Et donc pour ça, il ne faut pas oublier d'avoir une bombe sur soi. J'aime pas trop cette salle, mais bon. Quad shot, c'est déjà plus gérable. Le damage est vraiment dégueulasse, mais bon, faut dire que j'ai fait pas mal de runs avec Azazel dernièrement. Donc c'est normal que le damage me paraisse complètement pourri. On a une arcade ici, bon, ça pourrait être intéressant. Si jamais je tombe sur le sharp plug. Toujours pas de clé, hein, décidément.
une clé dans ici, qui sait, ça me filera peut-être une clé. Ah bah non, c'est le jeu lui-même qui me file une clé, parfait. Et, nice, je vais prendre ce cœur au cas où, et... évidemment, je vais me diriger vers le shop. Et enfin, débloquer cette connerie de stopwatch. Non, ça c'est la broken stopwatch, c'est pas celle qu'on veut. Alléluia, yes, stopwatch. Bon, on va éviter de remettre une pièce là-dedans. Mais du coup, ouais, je sais pas trop si on peut l'avoir tout de suite. Voilà. Je fais ça, comme ça. Je ne risque pas de l'exploser sans faire exprès, vu que lorsqu'on dépasse les 999 cents, la machine explose. Et il nous file 10 dimes. Donc en gros, elle nous rend 100 cents, quoi. Ce qui est complètement con. Bumfriend, j'en veux pas. On aurait sans doute essayé de... Qu'est-ce que je raconte? On aurait dû essayer de reroll le shop. D'ailleurs, on va le faire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait auparavant. Il me semble que j'ai une batterie, ouais. Ok, bon, évidemment, il me file le sharp plug maintenant, ce connard. Bon, il faut qu'on trouve le moyen de l'avoir. Bon, si on a une blood bank, ça devrait le faire. Nickel. Ouais, mais non, c'est pas ce que je voulais, connard. Bon, je fais ça, je sais pas trop si ça va m'aider, mais... File-moi au moins un truc bien, toi. The World... C'est vrai que je peux utiliser ta chariot card, en fait, pour lui. C'est ce que je vais faire. Oh, évidemment, à chaque fois qu'on utilise une chariot card ou un truc comme ça avec lui, j'y vais payer immédiatement, juste pour me troller. Je vais voir si on peut trouver la super secret room aussi. La super secret room. Il y a vraiment n'importe quoi, moi. Ah, c'est vrai qu'on a eu contract from below, du coup. Attends, je l'ai pas eu deux fois. Non, ça c'est 1 plus 1. Ah oui, dans le shop, on peut avoir le deuxième machin. Je sais absolument pas où est la secret room. Du coup, on va utiliser the world. Ok, elle est là. J'aurais peut-être recherché ici. Bon, j'espère que c'est des thunes, hein. C'est pas des thunes, c'est l'inverse, ok. Et on a plus de bombes. Enfoiré. Je n'ai aucun moyen d'avoir des thunes, c'est génial. Bon, j'ai toujours trouvé sur un truc. Enfin, peut-être si Monstro me file Pageant Boy, j'en sais rien. Ou une bombe, ou... bref, on verra. Bah, du coup, c'était un peu con, c'était même complètement con de reroll le truc en sharp plug, hein. Au pire, on reset cette run, c'est pas si grave, mais bon, quad shot, c'est pas mal quand même. Avec le sharp plug, c'est bien mieux de faire une breaking run, hein, c'est sûr. Matchstick, shot feed up. Bon, le devil deal, on s'en fout, vu que c'est pas ce qu'on veut. Krampus, bon. Ça nous file un item gratuit, donc on s'en fiche. Même le reroll, qui... bon. Allez, les flammes, filez-moi des thunes. C'est possible, hein. C'est pas la première fois qu'on ait une dime dans une flamme. Bon. Évidemment. Krampus, c'est vrai que j'ai pas de reroll, donc c'est con. Bah, sans sharp plug, on est dans la merde. On est carrément dans la merde. Si lui nous donne un dime, j'en sais rien. Allez vous faire foutre. Bon, tant pis, on va reroll cette run, même si c'est un peu con. J'aime pas Curse of the Unknown. Donc voilà, maintenant on peut commencer. Cette bombe, je suis pas fan. Mais avoir des bombes, ça peut être pas mal. Ah, Guppistel, bon, je vais prendre ça parce qu'avoir plus de coffres dans The Chest, surtout, c'est génial. Du breaking, c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, maintenant on pourra avoir la stopwatch, même si on peut... Enfin, pas sûr qu'on... On pouvait l'avoir avant, donc maintenant au moins c'est réglé. Ah bah du coup avec cette bombe, c'était sympa. Bon, allez, c'est parti pour la meilleure breaking run de tous les temps. Ouais, bon, ça pouvait éviter de se prendre des dommages débiles. Casque à la con, bah. Ok, oui, forcément, si j'ai un truc qui tire mon casque vers le bas, ça va pas le faire. Et donc, ouais, si je pouvais éviter de reroll le shop alors qu'il n'y a pas assez de thunes pour y rentrer, ce serait pratique aussi, ouais. On va éviter de faire des conneries et ne surtout pas prendre de... batterie 9 volts ou je sais pas quoi avec sharp plug. Où est-ce qu'ils ont casé la secret room encore, c'est con. Je la vois bien ici. Il y a pas mal de possibilités. Bon, on a des bombes donc on s'en fout. Non, c'est pas là donc c'est carrément de l'autre côté. Et qui la fout là, hein. Golden Key. Bon, je pensais utiliser une bombe pour entrer dans le shop, mais bon. C'est vrai qu'avec le nombre de bombes qu'on a, je peux toujours me filer des thunes. Et c'est ce que je vais faire, hein, maintenant que la donation machine a été complétée. Ça sert plus à rien de la garder au max. C'est radin, n'empêche, aujourd'hui. Hein. Allez, fais-moi plus de thunes que ça, toi. Nice. Sérieusement. Bon. C'est pas ce que je voulais faire. Sérieusement, la thune que je viens d'utiliser, sans le vouloir, m'a fait perdre ça. Super. L'enfoiré. Faut vraiment que j'arrête de faire ça, c'est dingue. Bon. Je veux cette stopwatch. Je n'ai pas de bombe. C'est complètement con. Décidément. Décidément, j'arrête pas de faire des conneries là. Bon, là je joue mal parce que bon, je suis un peu dégoûté. Pourquoi je reroll alors que je n'ai pas assez de thunes? Bon, bref. C'est vrai que maintenant il me semble que dans le fight de Larry Junior on ne peut plus avoir de pièces. Enfin, en gros, les poupes ne fonctionnent pas correctement dans les boss rooms. Évidemment, il n'y a rien ici. Il me gave là. Bon bah re-reset hein, j'ai pas le choix. Maintenant si je pouvais vraiment arrêter de faire n'importe quoi, ce serait cool. Belle esquive. Allez. C'est ça. Ah, j'adore quand le jeu ne coopère pas. Connard. On avait Guppy's Tale. Bon, je reset parce que ça me gave. J'ai rien de. J'ai rien, bah surtout. Pyromaniac, c'est plutôt sympa. Et c'est vachement bien pour le breaking aussi. Ok, commencer avec Pyromaniac, c'est plutôt cool. Il suffit de trouver masse de bombes et ensuite. On peut regagner de la vie et utiliser. Utiliser le sharp plug. Des bombes pour nous soigner, donc ouais, c'est pas mal. Si on trouve pas le wafer, ça peut toujours être cool. C'est le damage de base, j'ai un peu de mal à lui faire, ouais. Ok, on a une clé, on a plein de bombes. Bon, est-ce que je vais utiliser toutes mes bombes? Peut-être pas. What the fuck?
Ok, le shop était bien ici. Je sais même pas pourquoi je suis rentré. Bon, la broken stopwatch, on s'en fout de toute façon. Bon. What the fuck? Connard. Où est-ce qu'ils ont casé la secret room encore? C'est n'importe quoi. Putain, des nids à la con! Mais crevez, bordel! Je veux du damage. Ah! Où est cette secret room, sérieux? Vraiment, rien à foutre. Je suppose qu'elle est là. Ce troll ultime, je me demande ce qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Une batterie, ok. Necronomicon, bon, je le prends. Est-ce que je veux recharger mon D6? Ouais, why not. Bon, non, mais sérieusement, où est cette secret room? What the fuck? Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Dire qu'elle est ici. Bon, je sais, je gaspille mes bombes là, mais ça, c'est vraiment débile ces trucs. Bon, maintenant, pour te racheter, file-moi un Magic Mushroom. Ou plein de charges de D6 qui ne me servent absolument à rien. Vu que je n'ai pas de thunes pour le shop. Décidément. Ouais, bon. Ah, c'est vrai que les bombes me soignent. Ah, mais c'est vrai, je peux reroll ça. Suis-je bête. Du coup, je vais même pouvoir épuiser toutes les tous les bouquins. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est pas mal en fait. Ok, bon. Pour un breaking, ça commence bien au final. Ok, du coup, j'utilise ça tout de suite. Ça me donne 3 charges. Hein, plutôt génial. Bah, tiens, on va avoir un horseman comme ça. How to jump, on s'en fout. On devrait pas tarder à avoir épuisé le... les librairies. Oh, qu'est-ce que je fous? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh le con. Bon, tant pis. J'ai rechargé ce qu'il fallait pas, bon, tant pis. Comment on les a bien entamés les librairies? Non, si on en trouve une autre. Bon, y a rien à faire là-dedans. Bon, allez. Tuons notre boss. Donc, forcément, c'est un horseman, vu que j'ai utilisé le Book of Revelations. Faudrait que je check l'heure quand même, je sais absolument pas depuis combien de temps on joue. Ce qui n'est pas très pratique. Bon, de toute façon, si on commence une breaking run, c'est pas très important, mais bon. Ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on a déjà commencé, donc bon. Je voudrais pas traîner, on est toujours dans Basement 1. Bon, on a bien commencé le breaking. Enfin, commencé, ouais. On a pas mal épuisé la librairie. Love bandages. Bon, allez, passons au niveau suivant. Et espérons trouver un peu de thunes et notre sharp plug, hein, parce que... avec Pyromaniac, c'est vraiment sympa. Bon, il faut des bombes aussi, du coup, mais...
égal. Ça a trouvé IPCAC, mais il me semble que ouais, ça marche plus avec IPCAC par Pure Maniac. À moins que le bug a été corrigé. Enfin, je sais que le bug qui faisait qu'on ne pouvait plus casser les donation machines. Enfin, toutes les machines et les flammes bleues avec IPCAC a été corrigé, mais je ne sais pas si ça change quelque chose à Pyromaniac. Je suppose que oui. Alors, c'était un peu trop cheaté quand même, je pense. Bon, l'idéal, ce serait d'abord d'ouvrir le shop. En plus, le shop est là, donc c'est parfait. Le boss aussi, d'ailleurs. Donc, n'oublions pas, on doit skip le Devil Deal pour avoir des Angel Rooms après. Ah, galas, bon. J'aurais espéré une autre rune. Enfin, j'aurais préféré plutôt. Évidemment, maintenant il me donne plus de bombes, hein, sinon c'est pas drôle. Le 1 plus 1 pourrait vraiment être sympa. Mais bon, on a rien là, donc. Donc on peut pas faire grand chose. Monstro. Hein. Boss facile. Bon, par contre, notre damage, ouais, il est vraiment dégueulasse. J'aimerais bien arranger ça. Ah, enfoiré. Enfoiré, enfoiré. Monstro, tu gaves. Bon oui, si je me suis pris des dégâts, c'est juste parce que je ne fais pas assez de dégâts. Bref, j'ai dit n'importe quoi. Alors, je sais pas, file-moi un autre truc, non. Bon. C'est un truc dans le coffre. Je vais toujours le prendre. Wizard, on s'en fout. Pretty Fly, ouais. C'est sympa, ça. Harry Wizard qui me troll bien. Bref. Blood Clot, c'est un damage up, donc bon, je vais pas cracher dessus. Bon, c'est un semi-damage up, disons. Est-ce que je suis allé dans mon item room, moi? Je me souviens plus, je ne pense pas. Ok, c'était un peu con, du coup. Bon, tant pis. Ouais, mais non, quoi, genre, non. Juste, casse-toi, en fait. Ah, merci. C'est vraiment pas le moment pour Harry Wizard avec les Grided. D'ailleurs, ouais, Catacombs 1, direct, Grided dans ta gueule, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Bon. Mais tu vas crever, toi, oui? Non, mais oh. Bon, niveau thune, on n'est pas du tout aidé là. Enfin, niveau bombe non plus d'ailleurs. Allez, allez, allez. C'est pas possible d'avoir autant de vie, c'est dingue. Ah bah merci. Alors, tout est vers la gauche. Bon, on va perdre masse de reroll, mais bon. Quoi, j'ai un damage aussi dégueulasse. C'est bizarre qu'il y avait un meilleur damage que ça. Ah mais c'est vrai, ces trucs ça me soigne en fait. Enfin, ça me fait pas de dégâts. Suis-je bête. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir Pyromaniac aussi, il faut dire. Toujours pas de thunes, hein, c'est assez dingue. J'aimerais bien reroll tout ça, mais. Franchement, vu notre état actuel, un bon tears up, ça nous arrange bien, ouais. Alors, est-ce que la secret room peut être ici? On va check ça. Pour l'instant, ça a l'air possible. Ouais. Allez, file-moi des thunes maintenant.
Bon, c'est bien une batterie, mais bon. J'ai absolument besoin de thunes pour pouvoir reroll le shop. Ah, bordel. J'ai besoin d'une bombe pour l'Angel Room, d'ailleurs. Le jeu qui coopère absolument pas, c'est dingue. Bon. Allez, quoi, enfin... Merde. What the fuck. C'est vrai qu'on a le Ball of Bandages. On essaye de s'en servir. Hein. Non mais sérieusement, file-moi des thunes, bordel. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette salle? Oh. Non mais c'est bien de me filer des cœurs, mais ça me sert absolument à rien. Bon, on a au moins des bombes. Espérer avoir une Angel Room. Ouais, pour ça, faut pas qu'on se fasse toucher trop de fois non plus. Hein. Ah merde, non, 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 arrête tes conneries, toi. Que j'arrête mes conneries. C'est dingue qu'on fasse si peu de dégâts. Oh merde. Ok, faut pas que je me fasse toucher là. Faut pas que je me fasse toucher. Non. Ok. Ah, évidemment pas Danger Room parce que c'est un connard évidemment. Mais quel enfoiré, c'est pas possible. Bon, j'ai des bombes, mais... C'est pas que ça suffise... pour le shop. Enfin, c'est pas avec deux bombes que je vais avoir autant de thunes, quoi. Bon, la batterie, surtout pas, hein. Ouais, c'est pas trop mal pour une seule bombe, hein. Évidemment, je file une pièce encore. Hein. Putain, c'est pas possible. Il me gave. Il me gave, sérieusement. Fallait que ce soit celui-là. Non, non, ça pouvait pas être l'autre. Quel enfoiré. Mais quel enfoiré. Je sais pas quoi faire, là, du coup. Oh, fuck, fuck, fuck. Putain, même si j'avais une sacrifice room, je l'aurais utilisé. Mais évidemment, il m'en file pas. Hein. Quel déchet. Ah. Je fais quoi là? Je veux pas skip mon sharp plug. Je vais pas reset à nouveau, ce serait complètement dingue. J'utilise Agalas ici, ça va pas casser les trucs. Enfin, ça va casser les roches, mais ça va pas les pousser. Ouais, je pourrais pas accéder à ces pilules à la con. Oh non, mais sérieusement, merde! Fuck you, sérieux, fuck you. Bah, c'est bien parce que le début de la vidéo est génial, on débloque ce qu'il nous faut, mais là, là c'est vraiment à chier. Hein. Il est maintenant 23h. Merci Canadien, on a déjà eu un Canadien, donc ça doit faire 45 minutes déjà. Ah ouais, merde. Ouais, 45 minutes pour du reset, c'est peut-être pas top, hein. Ben. Là j'en ai marre, juste donne-moi un damageable, j'en sais rien.
ça me gave. Bon, on va recommencer la même connerie. Bobsker, s'il nous file des bombes, et au final, ça ne servira à rien. Ah! Je me saoule. Il me saoule. La, 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 la. Non. Allez, on essaie de faire marcher ça quand même. Ça va faire une bonne demi-heure quand même qu'on enregistre. Je crois que lui aussi il va nous filer des thunes. Ah non, peut-être une batterie lui. Non, des thunes aussi, bah parfait. Je suppose que la secret room est ici. Allez, me troll pas cette fois. Merci. Bon, les clés, du coup, on va pas utiliser nos bombes. Black Candle. Bon, cette fois, ça devrait suffire. Hein. Non, et je vais arrêter de donner des scènes sans le vouloir. Les araignées, youhou. Ouais, de toute façon, on peut pas l'acheter. Bon, cette fois, ça devrait marcher quand même. C'est quand même bien, n'importe quoi. Bon, maintenant, on a assez. Il nous reste une bombe pour prendre la batterie. Non, pas cette batterie là, surtout pas. Nice. Ouais, compas, c'est cool, mais c'est pas ce que je veux. Bon, au moins on a nos scents, enfin. C'était pas si compliqué, bordel. Bon, on n'a plus pyromaniaque, mais bon, c'est pas grave. Plante de vie, ouais. Sans Bloodbang, c'est pas forcément utile. Et on commence par The Hunt. Je pense pas que j'avais deux spirits. Va te faire en foutre, toi. Je pense pas que j'avais deux spirit art dans le shop. Ou alors, je ne m'en souviens pas. C'est vrai qu'ils tirent ces machins aussi, j'avais complètement zappé. Ok. Non mais arrête, connard! Bon, j'ai envie de lui balancer une bombe à la gueule, mais c'est peut-être pas le moment. Il est sérieux là. Ok, d'accord, bon. Je déteste cet épisode. Et je déteste le damage de base d'Isaac. Je pensais pas que... c'était le cas, mais apparemment si. Je joue comme un pied, mais arrête de me donner les mêmes objets, bordel. Ah. Bon, je vais pas me plaindre alors que j'ai des bombes. Je peux en récupérer facilement sur la donation machine, mais bon. C'est dégueulasse quand même. Ah, blank card, ça peut être génial aussi. Ah, pff, bon. Ok, maintenant il me file des thunes, forcément. Bon, j'aurai obligatoirement assez pour pouvoir reroll. Est-ce que j'ai assez de salle? Je pense pas. Je pense pas que j'aurai suffisamment de salaud.
En plus, je prends ça sans le vouloir, c'est cool. Bon. Est-ce que je veux la non-sabite? J'en fous un peu. Bon, pin, ça va, moi. C'est un boss facile. Ah ouais, des... difficile début comme début de vidéo, ouais, c'est pas ouf. Il y a des jours comme ça. Hein. Bon, c'est vrai que 45 minutes de vidéo, toujours accélère 1, c'est pas... pas très cool. Bon, je crois qu'on va laisser tomber l'idée de la Breaking Run. Et on va rester sur les Angel Rooms. Hein. Parce que, bon, c'est déjà beaucoup trop long pour une Breaking Run. Enfin, pour un début de Breaking Run, enfin, bon, si on en est là à 45 minutes et que j'arrive à faire une Breaking Run, ça va durer 3h30, donc bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc ouais, on va s'en tenir aux Angel Rooms. Why the fuck j'ai fait ça? Je fais vraiment n'importe quoi aujourd'hui, c'est dingue. Ok, j'ai pas trop dormi, mais faut pas déconner quand même. Oh bordel. Les Toothpicks ne sont pas si mauvais damage up. Tears up. Ouais, non, mais non, deux pièces, c'est ridicule. Arrête tes conneries, toi. Ah, bah enfin, merci. Bon, qui sait, ça se trouve, on va y arriver, mais. Est-ce qu'on veut un autre truc là-dedans? Je sais pas trop. À moins de trouver la rune perso, je veux pas vraiment de damage up. Bon, on a le sharp plug. Alors qu'on ne le voulait plus maintenant, évidemment. Trollolol, quoi. Toujours trollolol. Toujours trollolol. Bon. Non mais, ah! Et donc ouais, maintenant que je me suis pris des dégâts, je pourrais sans doute pas avoir de... Il me gave. Sans doute pas avoir de Devil Deal. Pourquoi je vais au boss avec un cœur? Parce que... Fuck you, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais oui, il peut sans doute me one-shot. Mais je m'en fous, hein. Si je crève, c'est peut-être que c'est le moment d'arrêter de jouer, hein. Pour ce soir, je vais laisser le destin décider. ouais, non, mais si Avas me fout des fenêtres dans la gueule au moment où je suis en train de me battre contre un boss, ça va pas le faire. Tant de photos. C'est vrai que les poupes ne peuvent rien contenir. C'est très con d'ailleurs. Bon, n'oublions pas quand même de check les secret rooms. On pourrait trouver Missing No, ce serait cool aussi. Toi, je t'aime pas. Bon, allez. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Le dévin, le wafer, des cœurs d'argent, Gimpy peut-être. Pas des troll bombes dans un... Ok, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est vraiment pas bon jour.
Ouais, c'est pas le moment, quoi. C'est, voilà. C'est pas le moment de faire une breaking run. En tout cas, on a enfin débloqué la stopwatch. Et on a trouvé la blue candle. Du coup, il nous reste seulement... bah, cet objet à trouver. Et on avait trouvé la stopwatch, mais on n'a pas pu l'acheter. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, j'ai vraiment fait que des conneries dans cet épisode. Mais ouais, donc je vais quand même vérifier ça. Bon, là, on avait tout fini. Là, il nous reste un objet. 2, 3, 4, 5... 7, oui, effectivement. Bon. Bah, du coup, on fera sans doute... on essaiera de faire une breaking run et d'arriver aux angels, bref, etc. dans le prochain épisode, parce que là... je crois que je suis un peu trop claqué pour jouer. Attends, je reviens pas du taf cette fois. What the fuck. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était Mirabos pour l'épisode 111 de Rebirth. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine.